Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais un tirage un petit peu spécial. Alors, j'utilise l'oracle de miroir. Il y a deux choix. L'oracle de Mademoiselle Delormeau. J'utilise deux oracles différents. Et j'ai choisi pour vous, pour choisir, il y a deux temps. Alors, j'y mets tous les domaines, côté matériel, côté voyage, la maison, le foyer, santé mentale, et travail, contrat, la santé, la famille, et la paix, la tranquillité et spirituelle, les gens qui sont dans l'examen ou à une formation. Ou les changements, la fin de ces tirages, qu'est-ce qui change pour vous? Qu'est-ce qu'il doit bloquer? Parce que moi je mets une forte musique. Alors, qu'est-ce qu'il change pour vous? Les changements de saison, les changements. Cet tirage, ça va parler jusqu'à la fin de 2021. Et un tirage général, je voulais voir quel domaine. Ça va débloquer pour vous 2021. Quel domaine? Prenez qu'est-ce qu'elle parle pour vous. Si elle parle pas tout pour vous, prenez peut-être professionnel ou sentimental ou soit côté matériel. Et j'ai donné deux choix. Alors, le premier choix, c'est l'ama de Fatima. Soit vous choisissez ça. Si vous choisissez ça, vous êtes besoin d'être protégé contre l'énergie ou contre les mauvaises lois ou contre les gens qui pensent mauvaises pensées, qu'elles voient les mauvaises pensées. Ça, c'est la protection. Alors, dans les deuxièmes, c'est les petits langes là. Un petit lange. Pour les deuxièmes, on verra avec les deuxièmes. D'abord, j'ai tiré toutes les deux conseils pour vous. Le message pour vous, c'est message le premier, besoin vraiment pardonner à votre proche ou votre entourage. Il y a quelqu'un, peut-être il a besoin de pardon, ou besoin peut-être dire à quelqu'un qu'on vous l'aimez beaucoup, quelqu'un proche de vous, soit quelqu'un dans votre entourage qui est beaucoup l'amour pour vous, et peut-être besoin d'exprimer à ce sentiment que vous êtes gardé, et besoin de pardonner pour cette personne ou quelqu'un proche de votre famille, quelqu'un proche. Les deuxièmes, essayez peut-être cette personne qu'elle était manque le respect pour vous, peut-être vous êtes loin de cette personne, vous cherchez une nouvelle relation ou peut-être la relation avec quelqu'un, quelle que soit une relation amoureuse, soit une relation avec une personne, un ami ou une amitié avec votre entourage, c'était difficile pour peut-être demander le pardon ou demander pardonner à cette personne qu'il manque le respect pour vous. Et c'était difficile les marches pour demander le pardon, ou soit cette personne qu'il était difficile de demander le pardon à vous, c'est quelqu'un qui était amoureuse, ou soit quelqu'un proche, un ami, qu'il était manque de respect de vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin de pardon à cette personne, ou cette personne elle a besoin vraiment demander le pardon, mais cette personne. Pour cette personne difficile, faire les marches pour demander le pardon. Alors, j'ai mis où pour voir le tirage. Donc, je mets là. Vous voyez, c'est le premier. Alors, je tire chaque chose à une carte pour voir. Ça, c'est vous, le consultant. Peut-être si vous êtes une femme, peut-être ça parle pour vous. Si vous êtes un homme, peut-être c'est une femme que vous pensez, une femme proche de vous, soit une amie ou soit une amoureuse. Alors, je tire votre état d'esprit
pour vous une carte pour l'état d'esprit des personnes qui regardent cette vidéo. Vous pensez à un jugement ou pensez à une, peut-être à un jugement, à une justice qui vous attendait. Peut-être vous pensez quelque chose avec quelqu'un, à une justice, ou soit vous attendez à peut-être un tribunal ou quelqu'un qu'elle donne une nouvelle, soit votre avocat, soit un juge qui vous attendait quelque chose. C'est votre état d'esprit que vous pensez. Si vous êtes demandé le divorce, peut-être il y a un jugement bientôt. Cette année, peut-être il y a un changement dans le couple, ou soit un divorce, ou soit une séparation, ou soit vous êtes senti, vous êtes jugé, vous êtes besoin de l'équilibre, vous vous tendez une nouvelle, une situation avec la justice. On verra après. Ça parle quoi, la justice pour vous? Le côté matériel, le côté de l'argent, l'économie. Alors ça, vous êtes encore bloqué à une situation, vous tendez à une libération. Beaucoup de temps, vous tendez à entre de l'argent, peut-être il y a un argent de l'assurance, ou un argent du tribunal, ou un argent. Peut-être vous êtes arrêt de travail ou soit vous n'êtes pas, maintenant que vous ne travaillez pas, peut-être vous avez besoin d'avoir, pourquoi vous êtes bloqué. On verra après les voyages pour vous, les personnes qui pensent les voyages. Les voyages, besoin encore de protection, besoin encore, ce n'est pas le bon moment, peut-être partir, vacances, c'est peut-être pas encore, peut-être besoin de protéger encore les voyages, encore c'est bloqué, peut-être et qu'elle protège les gens pour pas voyager maintenant, peut-être besoin de temps. Alors, écoutez, foyer, votre maison que vous habitez, les foyers que vous sentez enfermés, je pense que vous n'êtes pas travaillé pour ça, vous tendez l'argent. Il y a beaucoup de temps, les gens qui sont arrêtés de travail ou sont enfermés à la maison, soit sont bloqués vraiment psychique ou physique à cause d'un problème de l'argent, un problème avec le tribunal ou une assurance, ou vous tendez à quelque chose de l'État, peut-être il y a un problème, vous tendez. On verra après pourquoi vous êtes resté cette énergie. Écoutez, l'amour, vous sentez quelqu'un qui parle de mal ou quelqu'un qui l'a jugé. Peut-être vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes à une séparation ou à un divorce ou à quelqu'un qui demande le divorce ou quelqu'un qui le juge. Pour ça, ça sortit le jugement, les gens qui ne sont pas respectés de vous. Ou soit une relation amoureuse, quelqu'un, il manque le respect, vous êtes éloigné. Éloigné, comment je vois le message pour vous, c'est l'éloignement. Quelqu'un, il a causé quelque chose, ou soit quelqu'un, un conflit avec une relation. Si vous êtes dans le couple, avec quelqu'un, peut-être tribunal ou séparation, vous êtes resté enfermé seul, peut-être vous sentez seul maintenant. Côté professionnel, il y a une opportunité pour vous. Il y a un nouvel départ. Vous trouvez une solution. Il y a une nouvelle porte qu'il ouvre pour vous. C'est une nouvelle opportunité pour vous. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être vous commencez à travailler à partir de l'été. L'été, ça va commencer pour vous bouger professionnel. Est-ce que vous signez le contrat? Pour le contrat, beaucoup de gens qui sont enlevés à un contrat, peut-être contrat de mariage, un lignon, une joie, beaucoup de joie pour ce contrat. C'est beaucoup de plaisir pour ce contrat, soit un contrat de mariage ou un contrat de travail ou une association avec quelqu'un, un projet qui vous est dans le cœur. Et l'écoute est santé pour vous jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont l'énergie, qui sont trahis ou qui ne sont pas bien ou qui sont vraiment
les peurs, l'angoisse de cette énergie ou de cette maladie. Beaucoup de gens qui sont mal ou ne sont pas bien à cause de la santé, qu'elles tentent une nouvelle, qu'elles tentent une libération, qu'elles sont trahies, qu'elles sont difficiles, confiance, qu'elles doutent beaucoup à la santé. Alors, côté la famille, il y a les gens qui sentent culpabilité, beaucoup le regrettent, beaucoup les gens qui parlent mal au soin et sont manquent le respect de quelqu'un dans votre famille. Pour ça sortir, il manque le respect ou soit vous sentez culpabilité dans votre relation de couple ou relation avec quelqu'un dans votre famille. Il y a peut-être un tribunal ou un procès avec quelqu'un de votre famille ou une relation de couple. Peut-être il y a un procès, peut-être vous sentez culpabilité maintenant pour cette séparation ou peut-être cette procès avec la famille, quelque chose de familial. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tranquillité, la paix et comment vous sentez mieux? Vous n'êtes pas encore vraiment, vous êtes besoin, vous réfléchissez beaucoup parce que vous êtes besoin de la tranquillité, la paix, vous cherchez la paix. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la tristesse ou dans le centre de culpabilité, peut-être une situation professionnelle au côté de l'argent, que je vois quelqu'un qui a un problème, soit dans le couple, soit avec les familles qui sont en besoin. Alors, les jours qu'il fait l'étude, les jours qu'il fait la formation, l'examen, les formations, ou soit l'étude, les jours qu'il fait l'université, ou qu'ils veulent faire un diplôme, qu'est-ce qu'il y a pour vous le 20, 2021? Attention, de jalousie, peut-être il y a quelqu'un jaloux de vous, votre réussite, peut-être l'étude ou les gens qui sont faire l'étude supérieure, ou soit quelqu'un qui veut un diplôme, peut-être attention, les jalousies ou les méchancetés, ou soit une tierce personne, peut-être elle est jalouse de vous parce qu'elle ne veut pas vos réussites d'études ou une place supérieure. Peut-être vous êtes quelqu'un qui réussit cette année, vous réussissez un diplôme, peut-être un diplôme supérieur, quelqu'un qui a une bonne place, il y a une tierce personne qui est jalouse ou un ami ou votre entourage ou soit quelqu'un. Peut-être même dans la famille, peut-être il y a une jalousie. Le changement, la fin de l'année pour vous, le changement de saison. On a ici l'hiver, après il y a le printemps, après il y a l'été et l'automne. Pour moi, cette saison, ça va tourner pour vous. Et c'est encore gelé, c'est encore pas tout de suite, ça va avancer les choses. Vous attendez les choses qui doivent bouger pour vous. Mais à partir du printemps, ça va bouger votre chance. Il y a une opportunité pour vous, un nouvel travail ou un nouvel contrat. Alors cet univers qu'elle a laissé une trace pour vous, c'était quelque chose de difficile, que vous êtes resté bloqué chez vous, soit problème de l'argent, soit un problème de couple, c'est quelque chose qui laisse les traces pour vous dans votre vie générale cette année. Alors, le conseil pour une carte, vous ne sentez pas encore la stabilité, peut-être il y a encore les décisions à prendre, soit vous n'êtes pas stable encore, l'hiver, c'est encore pas stable votre situation. On tire les autres cartes pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vous penser? Le tribunal, c'est pour un projet ou soit une entreprise. Il y a une difficulté, vous demandez une aide de l'État ou une assurance, ou vous demandez peut-être votre entreprise ouverte, ou soit vous sentez prisonnier à un projet qui veut fermer l'entreprise ou le commerce, ou soit vous êtes trouvé difficile. Et pour moi, ça commence peut-être l'été, vous voulez sortir de cette situation, que vous sentez prisonnier à votre projet, qu'il a fermé peut-être le commerce ou les gens qui travaillent.
peut-être avec les commerces, le contact, peut-être il y a les gens qui sont prisonniers, qu'elles sentent beaucoup le temps qu'elles tendent à la maison pour les projets, démarrer les projets. Et pour moi, ça va bouger pour vous. Je tiens encore une carte. Il y a une chance pour vous, ça va bouger les projets. Vous pensez beaucoup à ça. Ça, c'est votre état d'esprit que vous pensez prisonnier à cause d'un projet ou un travail, que vous êtes arrêt de travail et vous êtes difficile côté matériel. On verra toi, vous le temps. Il y a un changement pour vous. Le changement, c'est positif pour vous. Le côté matériel pour vous, et peut-être changer quelque chose dans votre situation, peut-être le projet ou un changement de travail, ça porte l'argent, ou soit l'entreprise, il y a un changement, quelque chose de positif pour vous. Et le changement, c'est peut-être changer quelque chose dans votre projet, ou soit vous changez le travail, un nouvel contrat de travail. Qu'est-ce qui change? Je tire encore. Il y a l'essence pour vous, commencement, un nouvel départ pour vous. Le changement, c'est côté matériel, c'est professionnel pour moi. Et les protections de voyage, il y a beaucoup de gens qui sentent à la fin quelque chose dans le voyage. Peut-être vous êtes envie de voyager, les gens qui sont envie de voyager, qu'ils trouvent les bonheurs et qui sont vraiment, qu'ils tombent dans. Elles tendent la santé, elles tendent l'énergie, qu'elles sentent mieux comme vous voyagez, que partir, voyager, changer l'air. Beaucoup de gens qui sentent bien, bien-être, ressentent beaucoup l'harmonie et beaucoup le bonheur comme ils voyagent, qui sont besoin de voyage. Alors les gens qui sont sortis de cette situation, qui sont enfermés à la maison, soit pas de travail, dans la maison, vous cherchez vraiment une solution, vous cherchez quelque chose qui est l'équilibre peut-être dans votre foyer. Quelqu'un qui a resté beaucoup de temps à la maison. Il y a les gens qui ne sont pas travaillés longtemps. Ils ont besoin de dialogue, besoin de sortir, besoin de communiquer avec les autres, besoin de travailler, peut-être un nouvel travail. Un travail avec le groupe ou avec une nouvelle opportunité pour votre commerce. Si vous êtes quelqu'un qui ferme le commerce, il y a un nouvel dialogue, une nouvelle communication. Vous sortez de cette situation, restez à la maison. Les gens qui sont dans l'amour, qu'est-ce qu'il y a l'amour pour vous? L'amour, vous pensez beaucoup à la maison, le foyer familial. Et que vous voulez stabilité dans le couple, il y a quelque chose, ça va stabilité pour vous dans la relation de couple ou la relation, quelqu'un qui pense à une stabilité avec vous, engagement, peut-être vivre ensemble ou déménager ensemble. Si vous êtes difficulté dans le couple, ça va ranger cette année pour vous, il y a un retour à la stabilité. Ça, c'est quoi? Travail, côté travail. Côté travail, il y a encore ce conflit pour vous, tension, mais ça va ranger pour vous. Il y a une chance, nouvel travail. Ou soit vous, si vous travaillez déjà, vous retournez dans votre travail. Si vous êtes déjà travaillé, il y a les tensions, ça va la fin, une tension dans votre travail. Ou soit les gens qui ne sont pas bien psychiquement, qui retournent la chance. Vous êtes la chance dans votre travail. Les gens qui cherchent les nouveaux contrats, une nouvelle association, il y a un nouvel contrat de travail. Il y a quelqu'un bientôt signer un contrat avec quelqu'un, un nouvel travail, ou soit une association avec quelqu'un. Je tire encore. Il y a les gens qui sont la fin de contrat de travail, de quelque chose dans le passé. Il y a un nouvel travail, une nouvelle signature. Il y a les gens qui sont restés beaucoup à la maison, qui sont à une rupture de contrat. Et pour moi, c'est la fin, le blocage. Il y a un nouvel contrat, un changement professionnel, un changement, peut-être le travail. Il y a quelqu'un qui change le travail. L'énergie pour vous, l'énergie, beaucoup de gens qui sentent tristes, qui sont angoissés à côté de la santé ou l'énergie.
Attendez. C'est les choses qui sont très longues pour vous. Il y a un changement. Pour moi, c'est un changement. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup sortir, voir les amis, les gens qui travaillent avec le commerce ou les clients. Il y a un retour à une vie normale, peut-être l'été. À partir de l'été, ça commence à bouger. Un nouvel commerce commence à bouger. Si déjà le printemps, ça commence un petit peu. Mais l'été, ça va sortir les gens chez eux et qu'ils sont commencés à voir les amis, la famille, l'entourage, les contacts, les tours, les sociales, normal. Les gens qui sont beaucoup tristes la nuit, qu'ils restent à la maison seuls ou soit tristes, ils n'arrivent pas à sortir dehors, ils sont fermés à la maison. Mais il y a un retour à une vie normale cette année et un changement pour moi. Les côtés familiales, pourquoi vous sentez les culpabilités? Il y a beaucoup de choses qui vous êtes gardées et besoin d'exprimer. Exprimer qu'est-ce qu'elle fait mal à vous dans votre famille. Peut-être il y a quelque chose qui doit dialoguer, communiquer. Je tire encore une carte pour la famille. Besoin soit une lettre, écrire une lettre à quelqu'un dans votre famille, exprimer et peut-être demander le pardon ou demander à quelqu'un qui vous êtes mal et que vous êtes besoin peut-être voir cette personne ou soit envoyer un message ou soit un contact avec une personne de votre famille, soit proche, soit les parents, soit votre frère et soeur. C'est quelqu'un vraiment proche qui besoin écrire un message ou une lettre pour demander le pardon et peut-être cette personne qu'elle accepte communiquer avec vous. Les gens qui sont dans le besoin de tranquillité, la paix, les gens qui cherchent tranquille, beaucoup les gens qui pensent à le passé, beaucoup ils tendent qu'elles cherchent la paix, qu'elles cherchent la tranquillité. Les gens qui cherchent la tranquillité pour trouver un nouvel départ et changer les directions, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui passent à une difficulté ou un obstacle pour trouver une nouvelle direction. Ils changent les directions. Alors l'examen, l'école, les gens qui font l'étude supérieure et les formations. Il y a une nouvelle, vous êtes tendez une nouvelle peut-être pour votre école ou soit votre formation que vous voulez faire ou un diplôme que vous voulez faire. Il y a une nouvelle, vous recevez une nouvelle par téléphone ou par email. Je tire encore une carte pour l'étude, pour signer un contrat ou soit un diplôme que vous recevez un diplôme ou soit vous faites un diplôme ou soit un protessage ou quelqu'un qu'il contacte pour il accepte pour faire l'étude. Vous cherchez la stabilité, les changements, les choses pas stables encore. Qu'est-ce qui c'est pas stable, peut-être côté sentimental, besoin de la stabilité relationnelle, les gens qui sont dans le couple, soit avec quelqu'un, soit quelqu'un qui a besoin de trouver quelqu'un nouveau, peut-être il n'est pas stable dans sa vie à cause des sentiments, et parce qu'il y a le blocage, les gens qui sont seuls, ou soit les gens qui sont éloignés de quelqu'un, ou sont en difficulté à communiquer. Les changements pour vous sortir un obstacle ou soit un arrêt. Il y a une solution dans votre relation. Vous sortez une relation ou une solitude, vous êtes resté beaucoup bloqué dans votre vie, les solitudes. Alors, pour moi, c'est tirage clair, je ne mets pas plus. Alors, je donne peut-être un conseil. Qu'est-ce que je donne conseil pour vous? Pour ce tirage, j'aime bien les réponses angéliques. Je donne un conseil pour jusqu'à la fin de l'année pour vous. La fin de l'année 2021, quel changement pour le premier? Un changement de direction pour vous, une nouvelle direction.
peut-être professionnel, que je vois un changement, quelque chose, un problème peut-être avec quelqu'un qui doit pardonner à quelqu'un, peut-être un nouvel contact avec quelqu'un, si vous êtes soit la famille ou soit amoureuse. Il y a un pardon, besoin de pardonner à cette personne pour y retourner à une relation, parce qu'après, dans le temps, c'était pas stable, soit dans le couple, soit avec quelqu'un qui vous êtes pas stable. Il y a l'occasion fabuleuse pour changer les relations, pardonner à cette personne. Il y a un comprimé, quelqu'un qui comprimé, peut-être un nouvel départ avec vous, soit un engagement avec vous. Les pardons, ça va faire pour vous. Faites pas souci, ça va un changement pour vous les premiers temps. Alors, ça, c'est le tirage pour le 2021 jusqu'à la fin 2021. Qu'est-ce qui change pour vous? On passe deuxième temps. J'espère que ça va parler pour vous. Prenez les choses qu'il parle pour vous. S'il parle pas, c'est pas peut-être professionnel ou sentimental, au côté matériel ou la santé. Prenez les choses qu'il parle pour vous. Voilà. Les gens qui sont dans la difficulté ou professionnel ou santé, soit le projet ou le commerce, ça parle tout, ce tirage spécial pour j'ai fait pour vous. Alors, je vais prendre les cartes comme ça, je fais continuer. J'espère pas long cette vidéo pour vous. Alors, les deuxièmes. Maintenant, on commence avec les deuxièmes temps. Je demande le petit l'ange pour vous. Alors, l'ange et votre conseil pour cette année pour vous. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'écouter une personne, qu'elle veut dire quelque chose. C'est quelqu'un, peut-être, a une relation avec quelqu'un ou soit quelqu'un proche de vous, qu'elle veut communiquer avec vous. Essayez d'écouter cette personne. Et peut-être à cause des relations avec quelqu'un ou une relation de couple ou relation avec une personne. C'est quelqu'un qui veut dire quelque chose, que vous avez besoin d'écouter cette personne. Cette personne, peut-être, elle a changé la façon de voir cette relation, qu'elle pense beaucoup à vous et qu'elle veut communiquer avec vous. Peut-être un changement, la relation dans la relation est un changement, soit avec quelqu'un dans le couple, soit avec quelqu'un qui vous êtes en contact avec quelqu'un, ou un ami, ou une personne qui est proche de vous, une amoureuse, quelqu'un qu'elle pense beaucoup. Les changements, qu'elle pense à un changement dans votre relation. Alors ça, et les petits langes, on voit qu'est-ce que vous pensez d'abord. D'abord, les pensées, vous voulez retour, peut-être retourner à un ex, retourner à une personne, les personnes, à une femme, si vous êtes une femme, qui vous pensez retourner à un ex, ou soit si vous êtes un homme, qui pensez à un ex, à une femme, qui retourne. Quelqu'un qui vous pensez beaucoup. Peut-être pour ça, il y a un changement. La roue, ça va tourner un changement pour vous. Côté matériel, pour vous, côté matériel, ça va tarder pour vous. Plus tard, peut-être, vous tendez quelque chose, soit un l'argent, un très l'argent, ou soit vous êtes besoin de déplacer, partir, peut-être. De travailler, peut-être vous devez placer, peut-être travailler étranger ou travailler loin de votre ville, peut-être vous prenez la route, les gens qui placent beaucoup l'étranger ou travaillent l'autre ville, c'est quelque chose qui s'est tardé pour vous, pour l'entrée de l'argent. Je vais boire un petit peu. Excusez-moi. Alors, le voyage. Qu'est-ce qu'est le voyage pour vous? Il y a un comprimé, il y a un soutien. Les gens qui travaillent ou les gens qui veulent partir, le voyage, qui sont peut-être pensés
un équilibre qu'ils pensent attendre, peut-être c'est un comprimé pour partir voyage, ou soit les gens qui travaillent avec les voyages, qu'elles tendent la justice, qu'elles prennent les décisions. Les foyers, vous pensez beaucoup à une personne, peut-être il y a un retour dans votre foyer, l'amour patient avec quelqu'un, vous aimez passer un bon moment, bon temps avec cette personne, il y a un retour, l'amour, la stabilité, vous êtes beaucoup tiré vers cette personne, physique ou psychique, vous voulez une nouvelle chance donnée à cette personne. Il y a beaucoup de gens qui veulent un changement dans la relation. La relation amoureuse, besoin de prendre les décisions. Les décisions, peut-être cette personne, ou soit dans le couple, il y a une décision. Vous êtes arrivé dans le carrefour, besoin vraiment prendre votre vie à la main, il y a une décision à prendre. Alors, côté travail, les gens qui travaillent distants, qui sont éloignés, les gens qui travaillent avec l'étranger, ou soit ils travaillent déplacés, pour ça, c'est tardé pour vous, l'entrée de l'argent, les gens qui travaillent avec les voyages, ou qui travaillent avec l'étranger, soit les gens qui travaillent, l'agence, ou travaillent placés pour les travails, peut-être il y a les choses tardées pour vous, côté matériel. Les gens qui cherchent le travail, un contrat de travail. Le contrat de travail, il y a une réunion avec un patron, un nouvel contrat, ou quelqu'un qui veut donner une nouvelle ou donner un rendez-vous avec vous pour une signature contrat, besoin de réunir peut-être avec les gens, peut-être ils acceptent votre demande, peut-être il y a une réunion, un rendez-vous avec un patron ou une entreprise qu'ils engagez-vous, peut-être ils doivent faire une réunion avec vous ou un rendez-vous avec vous pour signer un nouvel contrat. Les gens qui pensent à signature, les signatures, pourquoi j'ai des signatures sorties là, les victoires, alors je mets les victoires. Pour vous, il y a une signature, un nouvel travail. Les santé, si je voulais demander, les santé, l'énergie. L'homme, qu'elle pense à la santé, c'est les masculins qu'elle pense, c'est quelqu'un qui tente une réponse médicale ou quelqu'un qui tente à une nouvelle, faire un examen médical ou quelqu'un qui tente un rendez-vous, peut-être un contact. Je tire encore une carte. L'homme, quelqu'un qui a quelque chose, quelqu'un qui pense à le médical, qu'elle pense médical. Si vous êtes un homme qui travaille dans le médical ou médecin ou quelqu'un qui a un don, peut-être un don de passé, quelqu'un qui a quelque chose à une faculté ou quelqu'un il a peut-être énergétique ou faire peut-être travail dans le médical ou les gens qui sont vraiment via de famille, quelqu'un peut-être un don, peut-être médium ou soit guérisseuse ou soit quelqu'un dans le médical, quelqu'un peut-être il a un don qu'il aide les autres. Qu'elle pense beaucoup à l'étranger, peut-être les gens qui sont, ils tentent une solution dans le monde pour la santé, quelque chose qui est dans le passé, peut-être c'était les blocages ou le problème. Les gens qui tentent de trouver solution dans le monde, peut-être 2021, il y a un changement, quelque chose dans le passé, peut-être 2020, c'était les choses qui n'ont pas trouvé solution, peut-être 2021, il y a une solution dans le monde. Les gens qui sont éloignés de famille ou éloignés à cause de la santé, il y a les gens qui trouvent une solution, qui l'observent aussi à loin, par les médias, par le changement dans le monde. Les gens qui sont travaillent dans le médical, ou le médecin, ou les gens qui sont un don de guérisseuse ou médium, qu'elle travaille beaucoup avec les gens, avec l'énergie, qu'elle aide les gens peut-être. Un petit peu l'énergie, ou soit il y a beaucoup de gens qui sont
travailler dans le médical, qu'elle cherche les solutions médicales, qu'elle observe loi le monde. Peut-être il y a un changement dans 2021. Je vois une solution dans le monde. C'est pas seulement un pays, c'est dans le monde. Il doit trouver une solution. C'est quelque chose qu'elle vient de loin, cette maladie. C'est quelque chose qui vient d'un autre pays, peut-être un pays étranger. Peut-être il doit observer cette maladie pour trouver une solution. Peut-être il y a une maladie qui vient de l'autre pays étranger, qu'elle doit, le médecin, observer cette énergie ou cette maladie et qu'elle doit faire attention avec cette, qu'elle trouve les solutions et qu'elle doit faire attention pour ça. 2021, il y a encore peut-être un autre, j'espère pas, c'est un autre virus qui vient de l'autre pays. C'est peut-être ça, peut-être doit faire attention et observer les choses pour régler les choses. Les messages pour la famille. Pour la famille qui vous sentez dans l'échec, vous sentez dans l'obstacle. Pourquoi je tire encore une carte? À cause d'une séparation, vous êtes peut-être séparé à votre famille, vous êtes peut-être éloigné de votre famille, et votre parent, votre frère et soeur, les gens qui sont peut-être la famille, l'étranger, qu'il y a beaucoup de gens qui sont séparés de famille, qu'elles trouvent dans le difficulté voir la famille. Parce que peut-être il n'arrive pas à partir de vacances, ou soit aller visiter la famille, ou soit même les gens qui sont vraiment séparés des familles à cause de cette virus ou cette maladie, qui sont vraiment beaucoup les gens qui sont séparés de famille, qu'ils trouvent dans l'échec. Alors pour le calme, le calme, besoin vraiment. Monter l'obstacle, les gens qui sont soit jeunes ou soit les gens âgés ou soit les jeunes qui ont besoin d'un changement dans le monde pour trouver la tranquillité et retourner la force, besoin d'éloigner peut-être des autres ou les gens qui sont dans la difficulté, monter l'obstacle. Et ça parle aussi pour les jeunes ou pour les vieilles ou pour la jeunesse, qu'elle parle aussi pour. Les choses qu'elle vient vraiment les gens qui doivent travailler et qui montent à cet obstacle et besoin de la tranquillité pour trouver tranquillité, besoin de sortir cet problème, les gens qui sont difficultés pour trouver le soleil et trouver une nouvelle force et une nouvelle énergie, besoin éloigné, peut-être éloigné des autres, besoin de tranquillité pour sortir. C'est beaucoup de personnes âgées ou beaucoup les jeunes qui sont envie monter l'obstacle, les jeunesses, les personnes âgées. Alors l'examen, le diplôme, l'examen besoin d'une signature ou une l'équilibre, besoin, vous tendez une signature peut-être votre examen, peut-être l'équilibre, c'est les gens qui veulent faire l'étude avocat ou quelqu'un qui travaille dans le tribunal ou quelqu'un qui veut faire un diplôme supérieur, peut-être quelqu'un dans l'État, travaille de l'État. Travaille dans le tribunal ou avocat ou quelqu'un qui tente un diplôme ou qui tente une nouvelle pour nouvel commencement à l'étude, l'examen pour quelqu'un qui travaille avec l'État ou travaille avec le tribunal ou avec soit avocat ou soit quelque chose avec l'État. Les changements pour vous, les changements, il y a une nouvelle essence. Un nouvel projet ou une nouvelle essence pour les gens qui tendent un changement, peut-être le printemps, l'été, ça va commencer à un changement. Alors, je tire les cartes, l'oracle. Pas l'oracle, c'est Mademoiselle Delormeau.
Je tire pour votre esprit une carte. Vous pensez à une personne qui vous est coupée, à une relation ou à une personne qui c'était dans le passé, qui vous est coupé le contact. Et les 10 pour moi, c'est la route fortune, quelque chose dans le passé, une rupture. Vous retournez avec cette personne à cause d'un choix à faire. Peut-être que vous êtes éloigné à une personne qui vous êtes pensé à un homme ou à une femme ou à un amant, à une maîtresse ou à une dans le couple, vous prenez le choix, un choix à faire. Il y a sorti 2 fois le choix. Pour l'argent, c'est quelque chose à cause du voyage, les déplacements, les gens qui travaillent avec l'agence de voyage, les gens qui travaillent avec l'étranger, déplacés. Peut-être vous êtes besoin de bouger, déplacer. Peut-être les gens qui sont travaillés avec l'étranger. Les gens qui attendent les voyages, besoin sortir la tristesse. Il y a un nouvel succès, il y a les gens qui sortent d'un dépression ou soit les gens qui portent les masques, il y a un comprimé pour les voyages, c'est peut-être à bientôt, il y a une libération, les gens qui tombent les masques pour cette situation. Dans le foyer, vous pensez beaucoup à votre couple, vous pensez à une amie, vous pensez à beaucoup passer le temps avec cette amie, peut-être beaucoup l'attirance, beaucoup la patience avec une amie. Les choix à faire amoureux, besoin peut-être un changement, peut-être déménager ou approcher une personne qui est loin de vous, ou soit c'était une rupture avec quelqu'un qui habite loin de vous, ou soit l'autre ville. Vous approchez cette personne, doit prendre les décisions. Côté travail, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui sont bloqués. Peut-être psychique ou physique, ou soit les jeux qu'elles tentent à la maison pour démarrer les projets ou démarrer le travail. Je tire encore une carte. Pour moi, c'est l'été, ça va démarrer les projets ou votre travail. Si vous êtes déjà arrêt de travail, il y a les choses, ça va démarrer l'été pour vous. Vous êtes perdu dans le nouvel contrat. Vous êtes peut-être en colère à cause d'un nouvel contrat. Pourquoi vous êtes fâché à cause d'un nouvel contrat? Vous pensez à une femme qu'elle pense peut-être à un nouvel contrat de travail et qui sait, peut-être qu'elle est en colère ou elle est fâchée pour signer ce contrat. Alors, les gens qui sont, vous pensez à les médicaux ou la santé? La santé. Alors, la santé, ça sortait, ça c'est la santé pour moi. Attention encore cette énergie, ou peut-être c'est un nouvel virus qui vient de l'étranger, on doit faire attention. Pour ça, il y a les voyages encore bloqués, parce qu'il y a encore ce virus, peut-être quelque chose. Que les gens qui sont dans le médical, qui observent cette maladie, c'est pas cette maladie, peut-être c'est très grave, peut-être ils doivent faire attention avec cette maladie. Qu'elle tente encore quelque chose qu'elle vient de l'autre pays étranger. Je tire encore une carte pour les sanitaires. C'est encore bloqué. L'hiver encore bloqué les choses, encore gelé, quelque chose qui est très lourde ou quelque chose de très fort, une énergie ou une maladie très forte, il doit faire attention, observer cette maladie, le côté médical, et il y a beaucoup de gens qui cherchent à protéger l'énergie. L'hiver, c'est encore gelé, et beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir parce que ce n'est pas encore arrivé, comment dire, arriver à contrôler cette maladie qu'elle doit attendre un petit peu. Les gens qui sont la famille, quelqu'un qui pense à un engagement, ou elle pense à une séparation avec quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre pour un engagement, soit vous êtes séparé avec quelqu'un. Côté
La tranquillité, le calme, besoin d'attendre une nouvelle, un nouvel départ, nouvelle énergie, besoin de calme pour un nouvel départ pour vous. Les gens qui sont l'étude, l'examen, il y a les gens qui travaillent dans la loi, ou soit les gens qui travaillent dans l'État, ou soit les gens qui sont avocats, juges, qu'elle fait l'étude supérieure et peut-être il t'en donne une réponse pour l'examen ou réponse pour commencer l'étude université, les choses comme ça. Alors, les changements pour nous tous, les personnes qui a choisi le deuxième, les petits anges, qu'est-ce qui a changé pour vous, les personnes qui ont choisi? Quel changement pour vous? Vous attendez beaucoup longtemps les choses qui bougent pour vous. Pour moi, il y a un nouvel départ. Il y a un nouvel départ, les masculins. Soit un masculin qui pense l'espoir. L'espoir, un nouvel espoir, un nouvel rêve. Vous rêvez un changement. Vous pensez à un changement. Beaucoup de gens qui sont beaucoup l'espoir pour avancer. Alors, je tire, il y aura les réponses angéliques pour 2021, pour les personnes qui choisissent le petit ange. Besoin d'établissement, l'énergie, établissement, les choses pour cette personne qui choisit le petit ange. Besoin encore le temps. Cette année, il y a un changement, il y a un établissement, l'énergie ou peut-être la santé. Alors, c'est pas peut-être le bon moment pour penser à un voyage ou penser à un nouvel départ. Peut-être l'hiver, c'est pas le bon moment. C'est encore cette énergie ou cette virus qui vient de vraiment de l'étranger que je vois. Quelqu'un, un virus très fort qui doit faire attention, observer le médecin. Ou soit, vous faites attention, pas tout de suite le voyage. Oui, il y a un changement, il y a une libération. Oui, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui libère pour vous. Besoin de temps pour équilibrer les choses. L'établissement côté matériel, la richesse, la nouvelle énergie, ça va établissement pour vous jusqu'à la fin 2021. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, ça sortit. Non, ce n'est pas le bon moment pour changement. Ce n'est pas maintenant le changement. Comme j'ai dit, soit l'été, soit le printemps, ça va avancer. Profitez la vie avec la famille maintenant. Avec les jours proches, profitez le temps avec la famille. Et essayez patiente, il y a un changement. Et ce n'est pas tout de suite, ça va peut-être la fin de l'année 2021, il y a quelque chose, ça va mieux pour vous. Les gens qui sont à un projet ou un nouvel contrat ou un nouvel démarrer, travailler à l'étranger ou les gens qui voyagent beaucoup, soit qui déplacent beaucoup. Et ça va démarrer peut-être à partir la fin de l'hiver, commencer le printemps, l'été. L'été, ça va démarrer et le contrôle de cette situation, ça va faire à partir le contrôle de problèmes de sanitaire ou problèmes de maladie, parce qu'il y a quelque chose de plus fort et c'est quelque chose de très lourd. Et les médecins ou dans le monde qui cherchent les solutions, c'est quelque chose qui est long, qui l'était déjà dans 2020. Et jusqu'à maintenant, peut-être il y a des gens qui sont encore un nouvel virus ou une nouvelle maladie qu'il vient de l'autre pays qui doit contrôler ça. Et les projets, les travails, les jeux qu'ils pensent, les voyages, c'est encore bloqué, c'est pas tout de suite, c'est l'été, ça commence à démarrer. Les gens qui sont voulus à placer pour son projet, qui travaille avec l'étranger, ou soit déplacé pour l'autre ville, ou soit qu'ils travaillent avec les voyages, ça commence à bouger, ou c'est l'été pour moi. Les relations de couple, il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être séparés avec quelqu'un, provisoire, pour trouver une solution, pour un établissement,
dans la relation. Il y a un couple ou un ami qui est très fidèle, quelqu'un peut-être engagement après les séparations, si vous êtes déjà engagé. C'était un break avec cette personne pour trouver vous-même seul pour un nouvel départ. Il y a les gens qui sont séparés, peut-être, il y a engagement, nouvel engagement avec cette personne. Il y a un nouvel départ, vous sentez mieux. Sortir un obstacle ou une difficulté dans votre relation amoureuse. Et les côtés familiaux, il y a beaucoup de gens qui changent, il y a un changement dans la famille, il y a retour l'harmonie, il y a retour le partage avec la famille. Voilà, c'est fini ce tirage. Ça, c'est le tirage pour toute l'année. J'espère que ça va donner un message pour vous. Prenez celle parle pour travail ou pour l'argent, soit pour sentimental. Prenez ce qu'elle parle pour vous. Merci beaucoup, votre soutien et merci beaucoup, votre fidélité. Au revoir, bonne journée.